Ce vendredi, le Brussels Summer Festival a lancé sa 13e édition au cœur de Bruxelles. Que ce soit à la Place des Palais, au Mont des Arts ou au BIP, les festivaliers vont pouvoir profiter d'un univers musical toujours plus varié et ce pendant 10 jours. C'est un peu ce qui fait notre marque de fabrique depuis des années. On va du hip-hop au jazz en passant par le rock, la chanson, le reggae, l'électro. Donc c'est vraiment ce qu'on veut faire depuis le début. On nous a souvent reproché ce côté un peu melting pot, et puis maintenant on se rend compte que plein de festivals qui étaient avant très pointus dans un style musical s'ouvrent à tous les styles de musique. Est-ce qu'on peut faire des découvertes au BSF ou bien il n'y a que des valeurs sûres? Alors il y a plus de 50% de découvertes, c'est aussi une de nos marques de fabrique, mais comme d'autres festivals, il faut rester honnête. On avait par exemple déjà programmé il y a très longtemps Célassou dans au Magic Mirror, Puggy, Christine Anne de Queens, Moriarty, donc tous des Skip the Use, donc tous des artistes qui après ont fait une belle carrière et pourtant ils jouaient devant quelques personnes, quelques centaines de personnes. Je trouve que c'est un chouette festival. C'est un festival qui est dans la ville, un petit peu comme les Francopholies de Spa, donc c'est une ambiance assez conviviale. Éventuellement familial, donc c'est assez cool, il y a un public assez éclectique, c'est chouette. Qu'est-ce que ce festival a peut-être de plus que les autres quand on est DJ? Déjà il y a une scène dédiée à la musique électronique le premier week-end, donc ça c'est intéressant, et puis les after-parties sont globalement électroniques, donc c'est intéressant pour nous DJ d'avoir une place dans les festivals. Ouais. Pourquoi vous venez au Brussels Summer Festival? Bah, je viens chaque année, c'est génial, c'est au centre de Bruxelles, il y a des artistes hyper variés. Enfin voilà, chouette ambiance entre potes, très très bien. Ça fait pas mal de temps et d'années que j'avais envie de venir le découvrir et cette année-ci, c'était le moment. Voilà, je viens découvrir le festival, écouter de la musique, différents chanteurs, groupes connus ou inconnus, voir le folklore, l'ambiance, voilà. On vient de Bordeaux en voyage et là on a vu la première fois, on a fait oh là là, yeah, Willy Willy Willy, du coup on s'est dit oh là là c'est intéressant, du coup on s'est après par contre c'est vrai que c'est une ambiance un peu calme, bon il est que 20h, on arrive à l'ambiance de ouf, vous êtes là quoi, tout le monde dansait, tout le monde sortait comme ça, yeah, Willy Willy, vas-y comme ça. Tout le monde comme ça. Et c'est comme ça sur 20 000 personnes. 20 000 personnes comme ça. Il était que 20h10. Qu'est-ce que ce festival a peut-être de plus que les autres? Le fait qu'il soit déjà en plein Bruxelles. Nous, on sort du boulot et puis on va écouter de la musique. C'est hyper accessible, on y est vite. On peut rencontrer des artistes qu'on ne verrait pas ailleurs dans les autres festivals. Et voilà. Ça permet de rassembler pas mal de gens sur le monde des arts. Il n'y a pas beaucoup de festivals électroniques dans Bruxelles, dans la ville. Donc voilà, le BSF c'est différent, mais au niveau électronique ici c'est chouette. À chaque fois des chouettes affiches et voilà, ça se renouvelle assez bien, donc c'est cool.